tous, nous sommes le jeudi 15 décembre, plus que 9 dodo avant Noël. Alors je sais pas si vous voyez là, ici, et ben ça y est, il a neigé. Bon, malheureusement je crois que ça va pas tenir parce qu'ils annoncent un redout pour la semaine prochaine. Dommage, le village il est magnifique, la forêt, je ne vous en parle même pas. Tant pis, on en profite maintenant. Voilà, alors on va allumer notre bougie. Et découvrir notre thé du jour dans la tasse du jour. Alors ça, c'est une marque alsacienne qui s'appelle Bretzel Airline, où ils ont détourné des affiches de cinéma, enfin plein de choses sur le thème du Bretzel. Et là, j'ai reçu Bretzelman. Voilà, au lieu de Batman, Bretzelman. Donc c'est le Bretzel avec du chauve-souris. Elle me fait beaucoup rire, cette tasse. Le thé du jour, ou la tisane du jour. Alors, qu'est-ce que c'est? Une tisane plutôt. Lavandelle ou une ferbenente, donc de la lavande et de la verveine. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de la verveine citronnée, du gras de cul, de la menthe, de la lavande, de l'anis, des zestes de citron, des pétales de rose. Sympathique, on va voir ce que ça donne. Ça sent bien la lavande en tout cas. Notre bredele du jour, le numéro 15, qui n'est pas vraiment un bredele, mais qui est assez traditionnel. On le met tout le temps dans nos petits paquets de gâteaux. C'est la chocolat-wurst, la saucisse de chocolat. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du chocolat noir, il y a de la poudre d'amande, des morceaux d'amande, des morceaux de citron confit ou de gingembre confit. Cette année, j'ai fait citron. D'habitude, je fais gingembre. J'ai changé un peu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des œufs, du sucre et c'est tout. On cuit tout ça ensemble. On forme une saucisse et on met au frais pour que ça prenne. Et ça donne ces petites rondelles de saucisse qui sont délicieuses. La chocolat-wurst, voilà. Ensuite, le cadeau de Céline, numéro 15. Il est tout léger, tout petit. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vois 160 calories. Est-ce que tu vas manger alors? Ouh, c'est mignon, c'est trop mignon. Alors, Monty B, 3 chocolate cacao dusted. Truffle candy, 3 truffes saupoudrées de poussière de cacao. Super, et là on les voit en photo. Trop bien. Great taste. C'est des cacaos anglais alors? Oui. Ça vient de montyworld.co.uk, donc United Kingdom. Ça vient d'Angleterre. Trop bien. Ben, ça ira très bien avec le bread du jour ou avec mon thé. Merci beaucoup, Céline. Céline, c'est que je suis une gourmande. Bon, et ça, je crois que c'est un point commun qu'on a toutes les deux, Céline. Alors, notre crafter compagnon. Ben, je prends contre moi pour chercher le numéro 15. Il était tout là-haut. Alors, on va ouvrir le papier d'alu pour voir ce qui se cache derrière. Un tampon avec un die. Je vois le die par brillance par derrière. Ouais, c'est ça. Oh, il est trop chouette aussi. Je ne vais pas le faire tomber. Voilà. Donc, je vais vous mettre sur un fond blanc. C'est un arbre comme ça. Très joli. Avec le die qui s'y rapporte. Comme d'habitude, je monte dans mon antre, je vous prépare quelque chose et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai éteint la lumière pour que vous voyez bien le paysage enneigé, c'est trop beau. Alors, qu'est-ce que j'ai fabriqué avec mon petit set tampon d'ice? Eh bien, j'ai refait une étiquette pour les cadeaux, pour accrocher au cadeau. Alors, juste, j'ai embossé, ça brille trop, j'ai embossé l'arbre avec une poudre copper cuivre. Je l'ai juste mis sur deux petits fonds de papier et j'ai mis ce petit papillon qui sert normalement dans le nail art. Voilà, tout simple, il est mignon.
Je vous souhaite une excellente, excellente soirée. Moi, encore une petite nuit de boulot. Plus que deux. Et puis après, je serai tranquille pour Noël. Des gros schmoutz. Et salut, pisomme!